Alors c'est vous qui allez le faire et je goûte après. D'accord. On est d'accord ? Oui, chef. Alors on est parti pour une duxelle sèche ou humide ? C'est quoi la différence ? J'ai eu la chance, alors que je ne voulais pas faire ce métier, de le découvrir grâce à un professeur. Moi, je lui dois beaucoup à ce professeur parce qu'il a transformé un petit peu ma vie. Il m'a donné les clés pour réussir dans ce métier et j'y prends tellement de bonheur que forcément, je suis obligé de transmettre. Le bonheur, ça se transmet. On ne le garde pas pour soi. C'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes aujourd'hui. C'est toujours... On apprend d'eux aussi. Ah, c'est bien. Merci, chef. Voilà, c'est régulier. Hein. Par contre, tu n'as pas le droit de faire mieux que moi. Parce que là, après, je suis l'air con, moi. Dans tous les métiers, il y a forcément des valeurs. Parce que, bien sûr, il y a des gestes de base, il y a des techniques. On parle du bois, on parle d'automobile, on parle des services. Il y a un certain apprentissage théorique qui va avec, qui va faire que vous comprendrez mieux la technique. Donc il y a toute cette culture générale qui est importante. Il y a aussi tout le savoir-faire, le savoir-être aussi en entreprise. Il y a un travail de compagnon. Compagnon, ça veut tout dire. C'est accompagner, accompagner les jeunes. C'est accompagner vers l'entreprise, vers la vie en général. La présentation, ça peut être les couleurs, ça peut être les formes, mais c'est l'appétence. Pensez toujours à l'appétence. Ça veut dire quoi l'appétence ? C'est votre plat, il donne envie. Il donne envie. Il y a des moyens encore plus intéressants maintenant d'amener les jeunes sur la voie professionnelle en milieu scolaire, par le bac pro ou autre, d'amener les jeunes vers la voie de l'apprentissage. C'est le bon moment de mettre en valeur tous ces métiers. Et c'est un peu de notre responsabilité, faire confiance aux jeunes, leur donner les clés, voilà, les encourager. Allez, on va goûter. Vous allez goûter aussi, hein. Venez vers nos métiers, soit les métiers de la cuisine, les métiers du service, tous les métiers en général, tentez l'expérience, parce que vous allez vivre des moments que vous ne soupçonnez pas finalement. Et puis vous allez vous apercevoir que vous avez du talent.